Au collège Saïda, il y avait cette fille, Olivia, en 3ème D. Le fameux cliché de la fille assise au fond de la classe. Elle ne parlait pratiquement jamais, et le fait qu'elle était la victime de ses camarades n'arrangeait pas son cas. Croche-pattes, bureau balancé par terre ou gribouillé de méchanceté, de la nourriture jetée ou renversée sur sa tête, tout y passait. Le soir, quand elle rentrait chez elle, ses parents étaient toujours aussi inquiets de voir leur fille avec le visage de plus en plus vide, et sombrer de plus en plus. Son père étant gendarme, et sa mère étant serveuse, ils avaient des horaires chargés, et ils n'arrivaient pas à être là comme ils le voudraient, pour elle. Olivia ne leur en voulait pas, mais se sentant très seule, elle ne pouvait que pleurer dans sa chambre. Ce que je vais vous raconter s'est passé le printemps dernier. Olivia allait en sortie scolaire avec la classe. En gros, toute la 3ème D était en sortie scolaire en forêt. Ils allaient étudier la faune et la flore, explorer les alentours, pique-niquer. Une sortie scolaire comme les autres, quoi. Dans le bus, Olivia se prenait des coups dans le siège sous les rires et moqueries de ses bourreaux. Les professeurs essayaient tant bien que mal de calmer les élèves, mais ça ne marchait pas beaucoup. Une fois arrivés devant les bois, les élèves et les professeurs s'étaient rassemblés pour pouvoir avancer dans les bois tranquillement. Leur cahier et crayon à la main. Olivia se tenait à l'écart. Plus le groupe avançait, moins elle avançait vite. Ce qui n'a pas échappé à un groupe de filles. Le stéréotype des filles habillées avec les dernières fringues à la mode, bien coiffées, que tous les garçons s'arrachent. Pendant que la classe observait un buisson de fruits sauvages, le groupe avait repéré un trou profond pas très loin. Et alors que le groupe avançait dans les bois, ils sont passés à côté du fameux trou. Et l'une des filles du groupe a poussé Olivia dans le trou, alors qu'elle passait à côté. La chute d'Olivia n'a duré que 3 secondes, assez pour qu'elle se torde la cheville. Le petit groupe de filles était parti, en riant, et personne de la classe n'avait remarqué l'absence d'Olivia quand elles étaient revenues. Olivia tentait tant bien que mal de remonter à la surface, malgré la douleur atroce que lui infligeait sa cheville tordue. Mais alors qu'elle réussissait à grimper, elle a entendu des coups de feu. Puis plus rien, puis des cris d'horreur. En grimpant à la surface, ce qu'elle a vu était digne d'un film d'horreur. Quelques élèves étaient en train de courir en direction du bus. Des cadavres étaient derrière eux, ils avaient peut-être tenté de s'enfuir eux aussi. Olivia a ensuite vu un homme, portant des habits militaires, un fusil à la main. Il y avait aussi ce qui ressemblait à des gros pétards autour de son torse. Il avait des gants et des bottes de sécurité, ainsi qu'un gros casque qui masquait son visage. Olivia était restée cachée, terrorisée par ce qu'elle voyait. Elle ne bougeait pas et observait la scène. Les élèves et professeurs étaient remontés dans le bus, complètement paniqués, mais l'homme au fusil les avait rejoints très vite alors que le chauffeur avait à peine démarré. Le bus s'était arrêté brusquement. Olivia avait entendu de nouveaux cris, de nouveaux coups de feu. 3 coups exactement. Puis, d'un seul coup, une explosion. Olivia avait vu le bus complètement pris sous les flammes, et avait aussi vu quelques survivants sortir par les fenêtres du bus avec des flammes d'au moins 1 mètre sur leur corps. Les corps s'étaient effondrés peu de temps alors que les flammes les avaient dévorés. Quand il y eut le silence absolu, une fois que le feu fut plus ou moins calmé, Olivia avait réussi à sortir du trou. Alors qu'elle boitait, elle vit toute l'horreur des dégâts que l'homme au fusil avait pu causer. Ce qu'elle venait de voir lui avait retourné l'estomac. Les cadavres de ses camarades et professeurs jonchaient le sol, couchés sur le ventre, colorant les feuilles mortes du sang rouge vif qui sortait de leur corps. Une expression de terreur sur le visage. Il y avait des trous parfois dans le dos, parfois dans le crâne. Olivia était en train d'avancer en direction du bus, boitant douloureusement, toujours en voyant de plus en plus de cadavres dans la direction qu'elle prenait. Une fois devant le bus, devenue totalement noire, Olivia s'était bouché le nez et s'était retenue de vomir. Une poignée de cadavres était autour du bus, complètement carbonisée. Olivia avait aussi aperçu quelques corps qui étaient restés prisonniers du bus. Alors qu'Olivia avait sorti son téléphone en vitesse pour appeler de l'aide, une voiture, garée plus loin du bus, était entrée dans son champ de vision. Elle en était devenue muette. Et alors que les policiers arrivaient, pour constater l'horreur de ce qui devait être une sortie scolaire comme les autres, Olivia avait hurlé. Hurlé à plein poumon,
déchirée par la douleur de ce qu'elle avait vu. Et on a appris que le père d'Olivia avait volé des habits d'un de ses collègues militaires dans la gendarmerie et qu'il avait fait des recherches plutôt interdites. Il avait pris sa voiture personnelle et s'était posté devant le collège d'Olivia pour attendre le bus qui allait emmener sa classe dans les bois. On ne sait pas s'il avait agi avant ou après qu'Olivia soit tombée dans le trou. Peut-être qu'il avait voulu venger sa fille des tourments que lui faisait subir sa classe. Peut-être qu'il pensait que sa fille n'en pouvait plus et qu'il voulait qu'elle soit en paix tout en punissant ses bourreaux. On ne saura peut-être jamais. La mère d'Olivia, elle était dévastée. Elle avait plongé dans l'alcool avant de se donner la mort. Pourquoi je vous raconte ça maintenant? Parce que je suis infirmier dans l'hôpital psychiatrique où elle se trouve. Que ça soit dans la journée ou même la nuit, elle hurle à plein poumon à en rendre fou les autres patients. Et quand nous venons pour la calmer, elle répète toujours cette même phrase. Tous autant que vous êtes, vous finirez au fond du trou, plus bas que moi.